Touring Club de Biskra, un brin d'oasis dans la ville. Un concept de l'architecte Smaïl Mellaoui qui a essayé de concevoir un espace approprié et pertinent. Avec le maître d'ouvrage, l'architecte a réalisé un bâtiment moderne en symbiose au tissu urbain et ce en tenant compte de l'aspect climatique, élément essentiel. Comme vous le remarquez, l'architecte s'est inspiré du palmier pour concevoir un mocherabier afin de protéger la façade sud. L'ouvrage a été confié aux artisans locaux connus pour leur savoir-faire. Il faut savoir qu'au-delà de sa fonction de protection solaire, le mocherabier a été utilisé par l'architecte pour donner au bâtiment son identité et réussir son intégration par rapport au contexte culturel de la région. Dès l'abord, on saisit le gros potentiel de l'orientation plein sud qu'offre le site. L'étude solaire a du reste conforté le choix de l'architecte dans les solutions qu'il a adoptées. D'ailleurs, les séquences solaires suivantes prises à l'intérieur de l'agence le démontrent. Ici, au 21 décembre, on remarquera que le soleil inonde les locaux pratiquement toute la journée. Par contre, au 21 juin, premier jour de l'été, on remarque peu d'ensoleillement le matin et pas du tout à partir de 11h. Enfin, à l'intérieur de la bâtisse, le concept de l'oasis s'exprime par le confort total ressenti dès le franchissement de la porte. Instantanément, on se rend compte qu'aucun de nos sens n'a été négligé. La lumière naturelle inonde tous les espaces en leur apportant douceur et sérénité. Celle-ci est amenée par des vitrages doublés qui isolent également des nuisances de l'extérieur, tout en laissant pénétrer les rayons du soleil généreusement en hiver, qu'il réchauffe naturellement les lieux.